Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle journée ici à Montréal. Bon, programme de la journée. Je taffe une heure plus tôt, je veux dire mon boss m'a appelé pour que je vienne une heure plus tôt. Bon bah j'y vais. Après ça, du coup je termine à 18 et je pense sortir par la suite parce que ça va, il fait pas tellement froid, il fait que moins 10. C'est parti, vous travaillez. Sachant que ça fait un peu peur aujourd'hui, je suis seul, c'est moi qui ferme. Je suis seul toute l'après-midi, toute l'après-midi, oui c'est ça. Et c'est moi qui ferme le café. Bon bah c'est parti. Bon, il est 19h, j'ai terminé avec 45 minutes de retard. Bon, ça va. Mais bon, je veux dire, j'ai mon petit chocolat chaud. Alors là, je peux pas vous montrer, mais je vous montrerai quand je vais rentrer chez moi. Mais j'ai eu le droit à un Subway gratuit par une collègue que je connais du coup, qui est à côté de chez nous, du café Van Hout. Et j'ai des muffins gratuits, également des Red Velvet. Donc ça va. C'est plutôt cool. Bonne soirée, on va dire. Bon, enfin rentré chez moi, il y a mon colocataire qui chante, c'est excellent.
Bon, la casquette, voilà. Mais plutôt une bonne soirée qui s'annonce. Je veux dire, bon, je vais pas manger tout ça, mais ça, c'est par rapport au taf, donc c'est assez cool. Ça, c'est par rapport à une collègue du Subway, du coup, qui m'a fait ça le coup pour un dollar, quoi. Genre, donc, c'est-à-dire rien. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel avec le chocolat chaud. Donc, ça a des avantages hein, de travailler dans le commerce et avoir des collègues qui travaillent dans la restauration. Voilà. Bon, bon, bon. Il est 23h01. Donc, je suis en train de terminer le vlog numéro 22. C'est bien ça. Petit topo de la journée. Donc, vous avez pu voir, genre, j'ai un peu filmé mon taf pour voir. Bon là vraiment c'était une infime partie de ce que je peux faire, genre l'emballage, etc. d'articles, etc. Comment dire ? Ouais, j'ai terminé avec 45 minutes de retard. Je veux dire, je devais fermer la boutique à 18h. Finalement je l'ai fermé à 18h45, le temps de compter la caisse, etc. parce que j'ai pris énormément de retard. Et voilà, mais sinon tout s'est bien passé. Et également anecdote par rapport à mon clavier. Aujourd'hui il croustille. Donc ouais, quand j'ai tapé sur les touches ce matin, c'était avec le sucre. Donc forcément voilà. Je vais essayer de voir si je peux essayer de démonter les touches. Mais bon, étant donné que c'est Apple, ça m'étonnerait. Mais je vais essayer de me renseigner quand même. Parce que bon. Là c'est bon, ça croustille plus, mais je pense que en dessous ça doit être dans un sacré état. Donc si je peux nettoyer, je veux dire vite fait. Avec un petit coton ou un petit coton-tige comme ça à l'eau, ce serait pas mal. Mais voilà, petite journée qui s'achève, je finis le montage et à demain.